Eh bien salut à tous, c'est James, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 Online pour une toute nouvelle vidéo. Donc avant que la vidéo commence les gars, comme d'habitude, maximum de pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour que tout simplement on tente les 4000 abonnés avant fin 2018. Donc je compte sur vous les potes. Donc pour cette vidéo d'aujourd'hui, ça sera tout simplement pour avoir la tenue spéciale James les gars. Donc oui, ma tenue officielle. Donc comme ma mascotte que vous pouvez voir à l'écran sur mon overlay. Donc vous voyez la petite casquette à l'envers avec les yeux rouges, le t-shirt GTA 5 et le pantalon vert. Tout simplement, donc vous voyez que j'ai essayé aussi de faire un petit rapport un peu plus foncé de la peau comme le singe. Donc ça va faire, je vais essayer de faire la même tenue tout simplement que ma mascotte. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez vous tout simplement en commentaire. Donc pour cette vidéo vous devrez vous retrouver dans un magasin de vêtements. Vous allez pouvoir tout simplement aller dans un t-shirt, dans les t-shirts vous allez prendre un t-shirt anthracite tout simple ou un t-shirt noir. Et par la suite je vous invite tout simplement à rejoindre mon crew. Si vous le souhaitez bien, vous le rejoignez et vous allez tout simplement pouvoir apercevoir que j'ai mis le logo de GTA 5 qui fait tout simplement le logo de ma mascotte au milieu du ventre, donc du t-shirt, où c'est le logo de GTA 5, donc il est vraiment très très beau ce logo, il est vraiment magnifique, donc surtout avec des petites couleurs modées à mettre des fois sur les véhicules, donc n'hésitez pas à rejoindre mon crew les gars, il est ouvert à tout le monde. Par la suite les gars, une fois que vous avez mis le logo sur le t-shirt noir, vous allez tout simplement prendre une montre, donc une montre n'importe laquelle vous choisissez vous-même. Ensuite vous allez prendre des gants, donc les gants vous prenez par exemple des gants en laine noire. Donc là ensuite comme je vous l'ai dit, la montre vous choisissez bien celle que vous voulez. Donc pour ma part j'ai pris celle-là, si vous voulez exactement la même tenue que moi prenez les mêmes, donc avec le fond blanc et le bracelet noir tout simplement de la montre. Par la suite les gars, vous allez tout simplement aller dans les casquettes et dans les casquettes vous allez prendre la casquette à l'envers Funko, il me semble que c'est la verte, donc vous prenez exactement la même que moi. Et donc je ne l'ai pas précisé, donc pour le pantalon vous pouvez soit prendre un pantalon vert comme moi, donc le treillis vert tout simplement, ou sinon vous prenez le pantalon vert glitché avec les chevilles invisibles qui est très 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 beau, qui irait même très mieux je pense, et je vais essayer de me le procurer sur ma tenue. Voilà, donc j'essaierai de me le procurer le plus vite possible tout simplement les gars. Donc pour ceux qui l'ont déjà, donc tant mieux pour vous, au moins vous pouvez le faire. Et puis sinon vous prenez le treillis vert qui fait l'affaire vraiment, qui rend une tenue vraiment très très belle. Donc par la suite vous allez tout simplement vous rendre à la plage tout simplement au niveau des longues vues. Et donc vous voilà tout simplement aux longues vues, vous allez faire le glitch de la longue vue pour vous mettre la première, la casquette verte. Donc vous après une fois avoir mis la casquette verte, vous retournez au magasin, vous l'enregistrez la tenue et ensuite vous revenez faire le glitch à la longue vue en mettant le masque de pogo. Tout simplement, et vous allez avoir le masque de pogo plus la casquette à l'envers, donc la verte qui va vraiment ressortir comme ma mascotte. Donc vraiment quelque chose de magnifique. Et ensuite je vous conseille d'aller au coiffeur. Vous allez aller dans les yeux et vous allez prendre les yeux possédés, donc les tout rouges, qui peuvent faire les yeux rouges de la mascotte.
Et donc voilà, vous aurez tout simplement terminé ma tenue. Il vous restera tout simplement plus qu'à aller l'enregistrer et rajouter les yeux rouges comme je vous l'ai dit au coiffeur. Et puis voilà, donc cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir. Moi les gars, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bye tout le monde.